On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Trotteurs Ma Passion. On se retrouve pour le quintet de jeudi, alors direction le Val d'Or avec les galopeurs. On retrouve les stayeurs sur les 3100 mètres de la piste de Saint-Cloud, lisse à 10 mètres dans le Prix Jouvence, terrain très lourd, nageur. Absolument, voilà, ça va être un terrain très pénible. 14 partants, des chevaux d'âge, on démarre de suite, les bases de jeu. Le gagnant, ce sera le numéro 4 qui fait une rentrée supplémentée. Attention d'aventure, Augustin Madamé qui est dessus, Julien Philippon qui est à l'entraînement. Il a déjà fait des rentrées de 5 mois gagnant. 3 sur 4 sur le parcours, il a gagné son quintet l'année dernière à pareille époque en 33 de valeur sur Saint-Cloud. Là, il nous revient en 36,5. Même avec une rentrée de 3 mois, je le prends tout de suite à la gagne. Deuxième base, le 14, l'improviste avec son petit poids. Pour moi, il ne doit pas sortir des 5. Il a fait une bonne course dans son quintet de Nantes en battant M. Dracafeu et Saint-Nicolas qui ont répété ensuite dans des quintets plusieurs fois en prenant des places. Il vient de faire une rentrée sur Craon. C'est une première à Saint-Cloud, à Dorlegras, je fonce. Le challenger, le numéro 8, Glory's Day, qui a surpris son monde dans le quintet de Craon en faisant bon deuxième, voilà, sur un tracé pour Steyer pour la première fois. Il m'a surpris à deux échecs à Saint-Cloud, adore le terrain très lourd. Je me dis que peut-être ça peut être une belle découverte pour lui à ce niveau-là, dans ce genre de distance. Aurélien Lemaître qui est dessus, je garde très haut. Le premier outsider, le numéro 6, Sagaroua, supplémenté, un nouvel arrivant dans les boxes de Karina Fay. On met tout de suite Didier Ardouin. La seule fois où le cheval a couru sur 3000 mètres, il a une ligne avec Just a Formality et a battu Attention Adventure. A déjà réussi dans le terrain très lourd pour une première à ce niveau-là. Ça peut être la surprise. Deuxième outsider, le 11, Folle Passion, corps de 14. Gina Raric qui est à l'entraînement, super entraîneuse. Folle Passion vient de faire une course de rentrée sur Craon. Peut-être une course de préparation pour ce quintet-là. Adore le terrain très lourd. À 3 sur 5 sur cette piste, j'y crois. La suite du pronostic, le 10, Taquendo, deuxième atout Philippon. Michael Barzalona qui est dessus, donc je pense que c'est pas pour rien. À 75% de réussite sur l'hippodrome de Saint-Cloud. A déjà fait l'arrivée de quintet sur plus court. A déjà couru dans le très lourd. A gagné sa première course sous son nouvel entraînement. Donc c'est très très bien. C'est la forme. Pourquoi pas. Après le numéro 3, Gentiana Bella, corps de 11. Pierre-Charles Boudot vient de gagner libre sur l'hippodrome de Saint-Cloud, mais sur 2400 mètres. Je pense que la jument a de la marge, va débuter sur 3000 mètres, a déjà couru dans les quintets en prenant une place de 6e, 7e, a déjà fait ses preuves sur le très lourd. Alors je me dis que pour un essai, avec Pierre-Charles Boudot, ça se garde. Et je termine avec le numéro 13, Mortray, n'a pas trop de marge, mais a l'aptitude au terrain profond. Alors je me dis que si certains chevaux en vue ne font pas leur course, ça peut venir chercher son petit lot. En cas de non partant, le 1, Cata River, nous revient d'Espagne, a fait sa course à Dax, revient dans les quintets. On met Christophe Soumillon dessus, a fait 6e pour son unique essai dans les quintets en terrain lourd. Alors avec Christophe Soumillon, pourquoi pas, mettez-le dans un champ réduit. Mes deux impasses sont le numéro 12, Sudfa, un gros problème avec le terrain très lourd, j'ai du mal à le voir dans les 5 vu qu'il a horreur de ça. Et le numéro 7, Boscantin, pourtant c'est l'association Théo Bachelot, Stéphane Cérulis, a déjà gagné sur le tracé, vient de gagner en terrain collant sur Deauville, mais en terrain lourd avec ce poids-là, franchement je n'y crois pas. Voilà, le quintet c'est fini, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour, alors
Pour hier, en réunion 4 courses 1, donc très heureux pour l'écurie de Philippe Allaire. It's or never s'impose très facilement, drivé en grande confiance par Yoann Le Bourgeois. On a été payé toute la route, bonne drive, bonne jument, super. Nous espérons un coup de 5 tout à l'heure avec Vincent Ferme, donc ça serait bien. Mauvais numéro, mais normalement ça doit disputer l'arrivée. Et pour jeudi 8 octobre, en réunion 4, course 3, un cheval que j'ai pris le 29 septembre à Vincennes, quatrième distancé. Le numéro 4, Galante Gala, 5 gagnants, 20 placés. Cette fois-ci, Benjamin Goetz, le défaire que des postérieurs. Alors je me dis que déferrer des 4 sur la piste de Vincennes, ça descend, ça monte. Il s'est un peu, voilà, à la fin c'était un peu moche. Les allures, déféré des postérieurs, il a 2 victoires sur 3, il remet Yoann Le Bourgeois, c'est un petit lot de série, c'est très ouvert. Si le cheval est bien d'allure, pour moi il a la valeur de Paris, il est sûr en gain. Je veux en avoir le cœur net, voilà, si cette fois-ci il déçoit, je me serais trompé, mais sur ce qu'il m'a montré, je pense qu'il peut faire largement l'arrivée. Il nous annonce 12 euros, ça serait très bien pour continuer sur notre lancée. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Vincennes. Merci à tous les amis. Ciao!